It is exactly 1 p.m. here in the nation's economic capital, Douala. You're watching the news on Canal International. Bon après-midi, Monique Naoussi. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de ce journal. Sommet de la CEAC, les chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont à Brazzaville ce 19 janvier. Les questions de sécurité maritime et de paix sont au menu des travaux. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, prendra les rênes de la commission pour une année. In the same light, Cameroon's Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Cote, is currently representing the Head of State at the 20th Ordinary Session of the Conference of Heads of State and Government of the Economic Community of Central African States, ECAS. The conference holding in Congo, Brazzaville, is geared towards reinforcing regional integration in the ECAS bloc. Le stade Japoma se porte bien. Il est praticable pour accueillir tous les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Assurance en a été donnée par le président du COCAN local, le gouverneur de la région du littoral. And the governor of the littoral region has debunked rumors of the pitch of Japoma Stadium is deteriorating and not fit for matches. At a visit at the sports stadium on Tuesday, Governor Samuel Ivaha Dibua maintained all matches planned for the stadium will be played as this and more coming up just in a bit. Sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'ouvre ce 19 janvier au Congo. Eh bien, le Premier ministre Joseph Dion Cote y représente le président de la République. Les questions de paix, de sécurité maritime sont, entre autres, inscrites au rang des sujets à examiner durant ce sommet. Nous y reviendrons. Immigration clandestine, le Cameroun a désormais son numéro vert. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Guéné, vient de procéder à la mise en service de cette ligne verte-là qui va permettre justement la lutte contre la traite des personnes. Et en la même, durant la même occasion, au cours de la même occasion, justement, le ministre a procédé à l'ouverture du site d'accueil provisoire des personnes migrantes. Voyons tout cela avec le concours de nos reporters Arcel Kenyé et Luc Mvondo. Cinq postes de réception des appels reliés aux ordinateurs, ce sont ces dispositifs qui permettront désormais de composer gratuitement le 1503, une ligne téléphonique qui vise à signaler les cas de trafic mais aussi de maltraitance. On entend qu'il y a des cas de traite mais personne ne dénonce. C'est souvent un sujet tabou et on se dit qu'avec un numéro qui permet d'appeler dans l'anonymat, on peut effectivement avoir les informations. C'est un système avec application informatique qui permet que même si l'opérateur n'est pas là, la machine continue à enregistrer les appels et on peut donc revenir après récupérer les informations. Le centre qui accueille prioritairement les migrants volontaires de nationalité camerounaise s'inscrit en droit de ligne dans le registre de protection des personnes réfugiées, déplacées internes ou déracinées. La signature de convention entre le Cameroun et ses partenaires témoigne de son engagement à lutter contre ce phénomène d'immigration qui habite la jeunesse. Ce centre qui a été inauguré aujourd'hui pourra nous servir. En 72 heures, lorsque ces migrants arrivent, on les héberge ici pendant 72 heures, le temps de rechercher des familles ou alors d'autres centres d'encadrement pour leur réintégration dans la société. Ça peut rassurer les migrants volontaires qui viennent, sachant que le gouvernement va les prendre en charge, ils pourront transiter ici par ce centre et après rentrer dans leur famille ou alors dans des centres d'encadrement pour leur réintégration dans la société. La séance de travail de ce jour s'est refermée non pas par la mise en service du numéro vert, mais aussi par la visite guidée
de cette infrastructure qui fait une fierté nationale, mais aussi internationale. Après des jours de colère intense vécus à la mairie de Yokadouma, on observe de plus en plus un certain apaisement à l'origine de la grogne. Les employés revendiquent des mois de salaire impayés. Bien, l'autorité administrative et l'élite de la localité se sont mises à contribution pour calmer les tensions. Voyons tout cela avec le concours de nos correspondants Roméo Tignan et Kizito Tokoumaï. Il y a quelques jours, Yokadouma, dans la Bumba Ngoko, était secoué par une vive tension amenée par des employés de la commune, laquelle tension avait dès lors entraîné un arrêt de travail et revendication des salaires mensuels non payés par l'édile de Yokadouma. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nous avons 12 mois d'arriérés de salaire. C'est par rapport aux arriérés de 12 mois de salaire. On a passé les fêtes de fin d'année sans salaire. Et tout agent est marié avec des enfants. Face à cette escalade, le préfet de la Bumba Ngoko, qu'accompagnait cette élite, va initier un dialogue. Réunion sous forte présence des forces de maintien de l'ordre, Martin Minjos porte la voix pour éteindre la braise. D'où le bien fondé de la rencontre voulue par les grévistes. Les résolutions qui seront prises, que vous êtes en train de nous apprendre, nous acceptons entièrement. Issue favorable donc, observée au cours du débat d'échange. D'ailleurs, lesquels débats d'échange ont permis de déceler quelques résolutions et propositions. Il y a des solutions qui sont en cours et nous avons travaillé effectivement pour que ces solutions soient durables. Et nous avons donné quelques pistes. Et j'ose croire que dans les jours à venir, la situation sera beaucoup plus maîtrisée par le maire et ses équipes. Certaines de ces solutions ont déjà commencé à être implémentées et le personnel nous a écoutés. Il faut dire que c'est un personnel loyal, fidèle aux institutions républicaines qui tient à cœur l'image de marque du président de la République. Pendant que nous quittions Yokadouma, les esprits surchauffés se sont calmés, un devoir accompli pour l'élite, satisfait que les deux parties aient fumé le calumet de la paix et que le travail reprenne. The second part of the news with you, Regina King, Regina Tandak. Thank you very much, Monique. Now we'll see. Cameroon's Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Gute, is currently representing Cameroon's Head of State in Congo, Brazzaville, at the 20th ordinary session of the Conference of Heads of State and Governments of the Economic Community of Central African States, ECAS. The conference holding in Congo, Brazzaville, is geared towards reinforcing regional integration in the ECAS bloc through improved governance and development. This physical meeting comes after the 19th session that was held through a video conference due to COVID-19, where the president was represented still by Joseph Dion Gote. We shall definitely be bringing you details on that meeting taking place in Congo, Brazzaville. And Cameroon has a toll-free number to denounce operators of human trafficking and illegal migration. The service was unveiled on Tuesday in Yaoundé by the Minister of Social Affairs. The move is intended to cut down on illegal migration and human trafficking that seems to be on a steady rise in the country and across Africa. More in the following report with you, Hyson Chief. 1503 is a toll-free number Cameroonians, home and abroad, victims or eyewitnesses of human trafficking and illegal immigration can rapidly denounce perpetrators. With the phenomenon quite rampant, the hotline launched this January 18 in Yaoundé will function 24 and 24 hours to meet the high demands. 1503, and then when you call, I hope, for a matter concerning human trafficking, then you'll have all the answers that you need. This, equally the new provisional site put in place by the government of Cameroon to accommodate voluntary returning migrants for a few days while trying to relocate their families. Migrants will be cared here for 3 days, 72 hours, during which we'll assist them psychologically,
will prepare with them their reintegration or reinsertion in their various families. The center inaugurated at the Lixunu by the Minister of Social Affairs, Irene Pauline Geny, was also an occasion to launch the fifth edition of the Social Entrepreneurial Week and the signing of a charter with the International Migration Organization to intensify the fight against illicit migration. We believe that this opportunity will give the country means to showcase this realization during the session, the International Migration Review Forum in New York in May 2022 under the auspices of the General Assembly of the UN. The population urged to be more vigilant and frankly collaborate with the forces of law and order to curb the rising social vices. And now, Monique Nawusi, you take us to Bonaberry in the Douala Fon municipality when so internally displaced persons have been screened on cardiovascular diseases. Effectivement, Regina Tende Tanda, que les populations déplacées victimes de la crise sociopolitique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient depuis ce matin d'une campagne de dépistage gratuit des maladies. L'opération lancée par les laboratoires Neta en Quick vise à apporter un bol d'air à ces populations rendues vulnérables par cette crise déclenchée en 2016. Voyons tout cela avec le concours de Junior Oussin et de Marius Kouessou. Goulefak est un déplacé interne. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, il a fui son village, Lébialem, situé au sud-ouest. Il garde en mémoire la qualité du système de santé qu'avait ce département avant le début de la crise sécuritaire. Là où j'ai habité, il y avait un bon hôpital là-bas, avec les spécialistes. Mais quand il y avait la guerre comme ça, là, nous sommes tous partis. Et il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas maintenant. Là. Comme lui, beaucoup d'autres déplacés défavorisés, en quête de meilleurs soins de santé, sont venus nombreux bénéficier de cette campagne gratuite de dépistage organisée par le laboratoire TK Queen, situé à Bonaberry, dans le 4e arrondissement de Douala. Je ne peux pas me mettre beaucoup longtemps debout comme ça. J'ai, par exemple, j'ai des articulations qui me font mal. Voilà. Là, j'ai déjà été traité à moitié et je suis un peu convalescent maintenant. Donc, je viens là maintenant pour qu'on regarde si ça va ou si ça ne va pas. Ce n'est pas la notice qu'on m'a donnée. Ici, plusieurs examens sont faits gratuitement. Le dépistage de diabète, l'examen lié à la pression artérielle, le test de COVID-19, le test de VIH, l'échographie et l'électrocardiogramme. Thank you very much, Monique Nawusi. In the same light, some internally displaced persons and underprivileged persons are seeking refuge in Bonaberry in the Douala Fon municipality have been screened on cardiovascular diseases. The free screening exercise was done by a laboratory known as the Teka Quick Diagnostic Laboratory. Our reporter Gladys Ambodiban was there and brought back this report. Emilia Lekiaka and Gulefak Frederick amongst internally displaced persons who fled their hometown in Lébialem and settled in Douala as a result of the crisis in the northwest and southwest regions. Because of this crisis that brought me to Douala, you know that some of us, since we have not experienced the sound of gun, so it affects us, so we are afraid. So if it be somebody that you have high blood, so you cannot stay there. The difficulties we have here, I do not have even where to stay. I patch with somebody, a family man. I'm a father of about 8 children. And as trauma exposure could increase the risk of cardiovascular diseases, the internally displaced and others are benefiting from this free screening exercise to know their cardiovascular disease risk status. The screening for this time is free, as we heard. So I think it's good for me to come here today. The exercise targets 150 persons, and Teka Quick Diagnostic Laboratory intends to change the mindset of the population by educating them on the importance of diagnosis before treatment. This location will be able to at least give them that opportunity to reach out to the needy like them,
since they are coming from other displaced environment, and they have to get that accessibility to healthcare. I spoke with them, you know, on the chair, and they tell me some of this came as a result of what is happening in their own zone. You know, when you leave your comfort zone and you are somewhere that you don't even know, you never dream of, that impact is always there. In Cameroon, non-communicable diseases are estimated to account for 31% of all deaths, 14% of which are due to cardiovascular diseases. Officials of the Ministry of Economic Planning and Regional Development are fine-tuning strategies on how to transform Cameroon's economy in line with the National Development Strategy, the NDS-30. Now, during an exchange in Yaoundé on Tuesday, the officials all agreed that the import substitution policy would be a game changer in transforming Cameroon's economy. Our reporter Beatrice Gamu was there, and I'll tell us more. Under the National Development Strategy, NDS-30, the structural transformation of Cameroon's economy imperative. But there are challenges to uplift. And ways to go about this includes the institution of import substitution policy, stopping importation of some basics like rice, fish, milk and others, by so doing, encouraging local production. This action consists to support the producer of that product, the business climate, and other reform to modern our economy. Structural transformation is about the transition of an economy from low productivity and labor-intensive economic activities to higher productivity and skill-intensive activities. We have to consider industrial development and equally exportation, conquering markets in the sub-region and continent to the advantage of our local producers. Implementation and follow-up tools for the NDS-30 at the local level needs to be ensured also. Southwest region, for example, is involved in agriculture. We have areas like the CDC, palm oil, and other economy that can be used, that they usually have can be used to transform the economy. But unfortunately, going through some crisis, and so it is not easy for those who are involved who need to have the necessary raw material. The exchange workshop between Minister Alamin Ousmane and officials of services under his command is for all to understand the stakes involved and the operational approach for its effective implementation, and so surmount the challenges associated with the structural transformation of Cameroon's economy. Monica, now see you take us to Japuma Stadium, where the governor has given assurances matches scheduled to take place and the pitch will take place despite the rumors of a deteriorating state of the pitch. Of course, Regina Tende, Tandak, au cœur de multiples critiques sur l'état de sa pelouse, le stade de Japuma fait parler de lui depuis quelques jours. Eh bien, le président local du Kokan, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, y a effectué une visite d'inspection hier, au terme de laquelle il rassure l'opinion quant à la praticabilité de ce stade. Titi Freeman, Thierry Nana. Des techniciens à l'œuvre sur la pelouse du stade de Japuma. Objectif, revisiter l'état du gazon qui alimente de vives polémiques sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Selon Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, président du comité de gestion du DICIP, il s'agit des manœuvres de déstabilisation de l'organisation locale. Le stade de Japuma n'a pas de problème. Vous voyez derrière moi l'entreprise Grégory qui est en charge, n'est-ce pas, du traitement de la pelouse. Et comme tout stade international, après plusieurs matchs, il est normal que, n'est-ce pas, les techniciens en la matière, n'est-ce pas, revisitent l'état de la pelouse. Et je voudrais dire que jeudi prochain, nous attendons, n'est-ce pas, le match Algérie-Côte d'Ivoire sans stress. Je voudrais rassurer que
tout ce qui passe dans les réseaux sociaux ne veut tout simplement que démobiliser l'organisation locale. Je tiens donc à dire que les professionnels sont sur le terrain. Notez qu'une rumeur de délocalisation des matchs de quart et demi-finale de la compétition prévue ici circule depuis hier sur les réseaux sociaux. La CAF ne s'est pas exprimée de manière officielle jusqu'ici sur le sujet. Rappelons que ce terrain abrite les matchs de la poule E pendant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Energy 2021, les écrans géants au cœur de la ville de Garoua. C'est une réalité depuis hier au terme d'une cérémonie de lancement officielle qui a mobilisé les autorités administratives de cette région ainsi que les populations de cette métropole de la région du Nord Cameroun. Ringuele et Bouba Aïssa nous racontent. Le match Cameroun-Cap-Vert a été suivi à Garoua à travers deux écrans géants qui vont désormais décorer les carrefours Yeloua et Fulbéry. Et lorsque le fils du terroir, Vincent Aboubakar, a marqué le premier but de cette rencontre, une émotion indescriptible s'est emparée de la foule immense de supporters agglutinés autour de ces écrans géants. À la satisfaction des autorités locales, initiatrice de cette action. Ça a permis qu'on communique avec les habitants. Il est vrai que c'est populaire. Nous retrouvons là-dedans et nous sommes très contents d'être avec toutes ces populations. La CAN au plus près des populations à Garoua à travers ses réalisations. Il faut également noter que ces ouvrages participent à l'embellissement de la ville, autant qu'ils permettent aux habitants de vivre la prestigieuse messe du football africain. Vous-même, vous constatez que le besoin était là, compte tenu de toute cette population que vous voyez tout autour de ces écrans. Ici, c'est gratuit. Il suffit de chercher, de prendre une chaise, ou bien vous trouvez debout pendant 90 minutes, tu suis ton match tranquillement. Donc, tout est gratuit. Et vous avez vu l'engouement qu'il y a autour de ces écrans. Garoua brille par une forte mobilisation autour de la CAN. Une bonne frange n'a pas toujours accès au stade. Yeloua et Fulbéry sont à ce titre tels des sens giratoires obligatoires. Second part of the news with you, Regina Atene. Thank you very much. And the governor of the Littoral region has debunked rumors of the deteriorating state of the Japuma pitch while visiting the sports stadium on Tuesday. Governor Samuel Ivaha Deboah maintained that all the matches scheduled to take place on the Japuma stadium are going to hold on that stadium. Now his outing comes after several rumors on social media questioning the state of the pitch. More in the following report with you, Gladys Ambotiba. Littoral's Governor Samuel Dieudonné Ivaha Deboah, who is equally president of the Douala Site Committee, has emphasized that there is no problem with the Japuma pitch, contrary to rumors circulating on social media that the green turf is unfit for use. There is no problem when we have got many tournaments within this pitch. They have to see how the pitch is behaving, and the Gregory company is just behind me, just working at some impacts. There are not many, so the ground is very good, and we are going to play our Algerian versus Ivory Coast match here without any problem. There's no hindrance in this stadium. During the visit of the governor and his team to the architectural jewel on January 18, 2022, the governor expressed shock that some Algerian players and team officials were also insisting that the pitch was in a poor state. He rather expressed satisfaction with what carried out by the engineers. I'm satisfied. I have to come here even after this match. The other match will be there and I'll come also to see. I have to be sure that everything is going are the same. The supposed poor state of the pitch was reportedly made known during the match pitting Sierra Leone against Ivory Coast on Sunday. The Confederation of African Football, CAF, was however still in discussion whether or not to move the next matches programmed for the stadium to another. It is yet to make a statement. I will now bring you results of matches.
nous allons parler de la lutte contre la pandémie du COVID-19, justement après les médicaments, après les vaccins pour pallier cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Actuellement, on parle davantage du purificateur d'air, cette technologie médicale qui fait parler de lui et qui s'arrache à travers le monde. Désormais, on peut le trouver au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Approuvé et vendu dans tous les espaces marchands. Reportage. Avec la montée du Covid et de tous ses variants, les purificateurs d'air prennent de plus en plus de l'ampleur et s'imposent comme un partenaire incontournable de la santé au quotidien. De plus en plus, des voix se lèvent, en l'occurrence les députés européens, comme de véritables avocats des purificateurs d'air. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs, ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 99% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Une étude financée par la région Rhône-Alpes sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Une étude financée à hauteur de 180 000 euros vient d'aboutir et assure une très bonne efficacité de ces appareils. Écoutons le président de ladite région, Laurent Vauquier. Elle nous dit que les purificateurs d'air, ça marche. Elle nous dit qu'à 99,9%, ça permet de supprimer la présence du Covid dans un espace donné. Elle nous dit aussi qu'une fois que le virus est piégé à l'intérieur de l'appareil de filtration d'air, eh bien il ne ressort pas et au bout de 48 heures, il dépérit. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24, ont éliminé la quasi-totalité du virus. Alors, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus et donc qui peuvent contaminer ceux qui les respirent, notamment dans la contamination du Covid-19. Et donc, il est indispensable de se munir d'un purificateur d'air afin de pouvoir filtrer cet air et rejeter un air pur pour que, justement, vous ne soyez pas contaminé par diverses bactéries et vous ne tombiez pas malade. Puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, la question ne se pose plus qu'il faille ou non se procurer un purificateur d'air. La réponse est évidente. La santé n'a pas de prix. Eh bien, le sport contribue fortement à protéger sa santé. Et ce soir, à 20h, les rencontres Guinée-Bissau, Nigeria, Égypte, Soudan, ce sont les rencontres de cette journée. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h sur Canal 2 International. Merci de nous avoir regardé. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 15h30. Prenez rendez-vous avec Écho des Régions et à 19h10. Vous attend Alain Ghislain Kanga pour le journal Grand Format du soir. Regina Leke Tandak, good day. Thank you very much, Monique. And that was how we saw it for this edition of the bilingual news on Canal 2 International. Goodbye and God bless.